Et aussi dans nos institutions publiques et autres. Par cette manifestation, nous voudrions aussi rendre hommage à tous les professeurs de la langue française, Danton, Riffin et autres, qui ont formé sous le toit de notre enceinte, le lycée Abou Yacoub El Badissi, tant de générations, qui se reconnaîtront aujourd'hui et remercieront leurs professeurs. Une occasion, certes, de reconnaissance bien méritée pour tous ces braves hommes et femmes qui, par leurs efforts, on a connu des élites distinguées œuvrant pour la continuation du chemin de la prospérité dans tous les domaines. On a l'honneur, mesdames, d'avoir avec vous comme invité spécial, invité d'honneur, M. Mouloud El Khattab, ancien médicien. Parmi les vétérans qui ont opté pour la carrière en littérature française, licencié en littérature française, a travaillé comme professeur de la langue française dans l'un des lycées de Fès, puis professeur au lycée El Badissi, puis inspecteur de la langue française. Il écrit régulièrement des articles en français et en arabe, actuellement occupé à terminer sa thèse de doctorat en droit, Dieu le bénisse. Mesdames, messieurs, chers badissiens et autres, on a l'honneur, nous, les administrateurs, collaborateurs, préparateurs, de ces travaux et émissions de la page du canal du média social Facebook des anciens élèves du lycée Abou Yacoub El Badissi, de vous présenter les potentialités participantes dans la production littéraire en langue française, soit Nawal Ziani de France, jeune potentialité badissienne, écrivain en langue arabe et française. On lui a lu sur notre page plusieurs écrits séduisant les uns que les autres. Dieu la bénisse. Hassan Metaïch de Nador, ingénieur en génie civil, domine 5 langues, en plus du Rifa, récemment incorporé à notre page et y a publié une poésie bellissime qui nous a émerveillés. Dieu le bénisse. Sana Alami de France, parmi les premières anciennes pédiciennes qui nous a éblouis avec ses poésies et ses contes en français, en arabe, en espagnol, en Rifa, première activiste, collaboratrice, administrative de notre page, brillante, assidue, persévérante, autodidacte et toutes les qualités sont peu en sa faveur. Dieu la bénisse. Wissam Chilah del Husima, jeune prometteuse badissienne dans l'écriture en langue française, tout genre. Dieu la bénisse. Nadia Ouchrabar El Khattabi de Rabat, professeure de langue arabe et ancienne badissienne. Dieu la bénisse. Zhor Kouskoussi de Gaza, notre badissien incontournable, allègre, plein d'énergie, dynamique, ancienne administrative de cette page qui la rendait vivante, pleine de diversité par ses partages dans tous les domaines, et écrivaine, poétesse en langue française, espagnole, arabe, avec un perfectionnement incontestable, licenciée en langue espagnole, a travaillé comme professeur de la langue espagnole. Dieu la bénisse.
Et moi-même, bon, moi-même, je participe, mais je me considère un tremplin pour lancer un encouragement aux volontaires pour participer à cette manifestation culturelle dans le but est d'optimiser et développer les apports et acquis en cette langue. Bienvenue à tous. On a à l'écran, on a Zohor Kouskousi, on a Hassan Metaïch et notre invité d'honneur, c'est Mouloud Khattabi. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Donc, on va commencer avec toi, Zohor Kouskousi. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup. On va commencer avec toi. Alors, tu as le choix, ou de commencer par ta poésie, ou de commencer de lire la poésie de ton ami. Et notre ami à tous, Sana El Alami. Bon, je vais quand même faire une petite, ben, une vraiment Oui, brève. bien sûr, bien sûr. Bien. Déjà, je suis très honorée de faire part de cette agréable soirée, cette activité culturelle très instructive. Me trouver aussi au sein de cette magnifique institution, notre lycée ben d'ici, qui nous a vus tous grandir et surtout cumuler tout ce qu'on est, tout le savoir. C'était là qu'on a fait nos premiers pas. Alors, je suis vraiment très honorée d'être avec vous et de pouvoir Tu es la donner. bienvenue, tu le sais. Ben, merci. Ben, je suis un petit Tu nous peu. manques, tu nous manques. Merci infiniment. Bon, alors, je voulais dire déjà que notre but par cette activité, c'est de promouvoir, c'est de motiver ces générations actuelles qui ont un petit peu délaissé le français. Et que c'est un problème qu'on va voir bien sûr après à la fin de la lecture des productions de différents participants à cette émission. Bon, je salue tout le monde, tous les écrivains, tous les artistes, tous ceux qui ont pu passer par notre lycée et sont allés très très loin. Je leur tire chapeau et je vais vous dire que bon, bien que moi je suis pas je suis pas vraiment très littéraire, mais j'essaie quand même d'écrire parce que parfois on est inspiré. Parfois on est inspiré. Et j'ai découvert que en lisant un petit peu les productions de nos amis, ça nous donne un coup de pouce pour pouvoir le faire nous-mêmes. Alors j'ai découvert que comme dit Victor Hugo, la poésie est de toutes les choses humaines la plus voisine des choses divines. Alors, c'est merveilleux de pouvoir atteindre la divinité en écrivant la poésie. Et William Shakespeare a dit, la poésie est cette musique que tout homme porte en soi. Et Baudelaire a dit aussi, la poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même. Et pour finir, je lirai la citation de Apollinaire qui dit « Douce poésie, le plus beau des arts ». Alors, quelle magnifique possibilité et moyen de pouvoir utiliser la poésie pour plusieurs fins. Alors, parfois c'est juste pour notre plaisir et parfois on peut l'utiliser comme moyen pour transmettre des messages beaucoup plus profonds. Y aller plus loin. Bon, alors moi, pour commencer, je fais l'honneur de lire la production poétique d'une grande amie à moi qui est en plus une parente très très chère à moi. On a fait les études ensemble et elle écrivait depuis toujours
Et j'étais toujours éberluée par ces productions. Et aujourd'hui, vous m'offrez cette possibilité de pouvoir lire ce qu'elle fait. Parmi les magnifiques productions poétiques de Sen Alami, c'est celle que je vais lire tout de suite. Alors, déjà, je te salue très chaleureusement, Sana. Tu nous manques énormément. Bon, je vais lire. Écoutez, moi, je ne sais pas vraiment faire de la bonne lecture. Je vais essayer quand que, même. Non, non, tu sais bien la faire et tu le sais. Écoute, Zor, est-ce que tu peux augmenter toi aussi un peu ta voix en utilisant par exemple les écouteurs comme Ah, ça? ouais, non, j'ai dit tout à l'heure si ma voix s'entendait bien et personne n'a réagi, alors je n'ai pas D'accord, même. c'est bien, continue, c'est bien, c'est pas si fatal, c'est bien. Continue, Merci. continue. Bon, alors, je vais lire. C'est quoi ton rêve? Mon rêve? Oui, ton rêve. Mon rêve. Mon rêve, c'est de voir le soleil toujours briller. Mon rêve, c'est de voir le jour se lever et de sentir la brise du matin se poser sur la fleur de mon jardin. Mon rêve, c'est de voir au clair de la lune la splendeur de la terre. Mon rêve. Mon rêve, c'est de voir le monde changer, que les gens enterrent l'égoïsme et la jalousie, que les gens oublient la guerre et le fanatisme. Mon rêve, c'est de me blottir dans les bras de ma mère. Mon rêve, c'est de partir à la chasse avec mon père. Mon rêve, c'est de manger le pain pétri et cuit par ma grand-mère. Mon rêve, c'est de partir au galop de liberté sur le cheval de mon grand-père. Mon rêve, c'est de voir l'horizon proche pour aller plus loin, plus haut, sur un territoire palpable, franchir le silence des causes perdues, poser mon âme sur la feuille de l'espérance. Écrit par Sana Alami, en septembre 2020. Donc, c'est tout récent, c'est excellent. Ça m'a fait plaisir de On le va lire. donner la parole à notre inspecteur et invité d'honneur, Monsieur Mouloud Khattabi, Oui. pour qu'il dise pour qu'il parle sur la poésie de Sénat et qu'il dise son opinion. Oui, allez, alors, Mouloud, tu peux Monsieur Mouloud, évaluer c'est Mouloud. on peut dire si on peut faire une évaluation, mais c'est bien de prendre, on n'a rien à dire. Vous voulez que je fasse un petit commentaire là-dessus? Oui. Vous m'entendez? Oui, bien, moi, moi, Oui, j'entends. on vous entend. Oui, un petit commentaire Très sur bien. cette poésie que vous Je avez entendue de la bouche de notre ami dois Paul. préciser une toute petite chose pour commencer. La poésie, c'est de l'art, comme tu viens de le dire, si bien d'ailleurs, et ta collègue aussi. La poésie, ça ne s'évalue pas. C'est On ce ne que peut j'ai dit. pas évaluer la poésie. Absolument, absolument La pas. poésie, ça se lit. On fait des lectures de poèmes, de poésie, des approches lectorales du texte poétique. Ceci dit, je tiens à vous remercier toutes et tous qui ont été derrière cette manifestation culturelle. Vous m'avez fait le plaisir et l'honneur d'y prendre part, non pas en tant qu'inspecteur, en tant qu'enseignant, ex-enseignant, mais en tant que ex-élève du lycée Bédici. Parce que j'estime que ceux qui ont été au lycée El Badissi ont été à la bonne école. À la bonne école, pourquoi? Parce que aussi bien l'administration de l'époque que les enseignants que nous avons eu le plaisir d'avoir nous ont insufflé tous
ils ont insufflé l'esprit de créativité, de responsabilité. Ils ont aussi inculqué nos vraies valeurs. Les valeurs de, d'abord, de professeurs marocains nous ont inculqué les valeurs ancestrales des Marocains. Et puis les autres, ceux qui sont venus de, d'ailleurs, nous ont inculqué également les valeurs de la modernité. Les valeurs de la modernité, les valeurs de la tolérance, les valeurs de l'acceptation de la différence, parce que nous parlons de la langue. Quand nous parlons de la langue, nous ne parlons pas simplement d'un moyen de communication. La langue, c'est un véhicule de culture et de vision du monde. Donc, celui qui a eu la possibilité et la chance d'apprendre plus d'une langue étrangère a eu également cette chance d'avoir plusieurs visions du monde, de les incorporer, de les approprier. Ceci dit, Sana Al-Alami, il a produit un poème qui est une espèce d'hymne, hymne à la vie. Un hymne à la vie, à la paix et à l'espérance aussi. C'est un poème assez court, mais qui gagne en densité, le kafafa, ce qu'il perd en extension. Donc c'est un poème assez dense parce qu'il résume, malgré le fait qu'il soit court, il résume les aspirations humaines vers la paix. Il résume sa tendance des êtres humains, tendance humaine vers le bien-être intérieur que l'on réalise à travers cette médiation linguistique et le langage. Le langage, ne l'oublions pas, c'est un système de symboles, c'est un système symbolique. La poésie ne consiste pas à reproduire la réalité. La poésie, elle, c'est du langage qui n'est pas ordinaire. C'est un langage qui produit ce qu'on appelle la notion d'écart linguistique, l'écart poétique. Et c'est lui, c'est cet écart-là, l'écart linguistique, c'est lui qui crée la poéticité du langage. Pourquoi et comment? En passant par ce filtre qui est l'imagination et ce langage-là qui passe par le filtre de l'imagination, il est transmuté, transfiguré par l'imagination. D'où son appellation art. Donc, il a écrit un seul texte ou deux? Je crois qu'il en a écrit deux, non? Oui, il a écrit deux. On va, à la suite, on va lire le deuxième. Voilà, le premier
le premier texte de Al-Ami, il porte un regard nostalgique, non moins rêveur, sur des personnages, en l'occurrence ses grands-parents, sur des lieux, et sur des signes, les signes. La langue est aussi un système de signes. Sur des signes comme, par exemple, le moulin. Donc, ces édifices, ces lieux, ces signes en général, qui ont marqué son parcours temporel à travers le temps, de l'enfance à la jeunesse, et dont elle observe l'usure du temps, l'usure, la vieillesse. L'usure de temps, parce que celui-ci avance d'une manière inexorable. C'est Lamartine qui a dit, si je me souviens bien, « Ô temps, suspends ton vol, le vol. Ô temps, suspends ton vol. Baudelaire a dit aussi du temps, ô douleur, le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons, croît, c'est-à-dire il grandit, et se fortifie. Baudelaire a dit aussi, en parlant du passage rapide du temps, en parlant de l'automne surtout, mais c'est un automne existentiel, ontologique. Il ne s'agit pas de l'automne en tant que saison. D'abord, il a commencé par le temps, l'automne que nous connaissons, l'automne comme saison, mais à travers l'imagination baudelairienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces notions, ces concepts ont été transmutés et transfigurés par son imagination pour aboutir à quelque chose d'autre, pour aboutir à des concepts, à des notions évocateurs de la mort, la notion de mort. Il dit, par exemple, dans son poème sur l'Alexandrin intitulé « Chant d'automne », bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours. Et il termine le bruit de ce bois que l'on coupe pour se chauffer avec. Il se transforme dans son imagination en quelque chose d'autre. Il se transforme en des échos, les échos d'un bruit qui annonce la mort. Il termine. Ce bruit mystérieux sonne comme un départ. Le départ, c'est la mort. Donc, Anissa Sana Al-Alami, قصيدة شعرية وكذلك واحد نص شعر نثري ياك جو مسي باترون وي وادك الاول سي قرايج شنوها خاصني اسنيني صغر اسنيني صغر اطغى لو دوزيام لان السيول خاص اذا السرانشي اذا صغر tu continues واقيلا لا ليكتور دو لا دوزيام بويزي دو سنة عالمي كوم سا اون باغا كوتشي لو سبيكتاتور اي لوديونس pour parce que si vous voulez il a déjà fait
Allez, comme ça, la deuxième poésie de Sana. Tu peux, cher Zohar, tu peux continuer et lire la deuxième poésie de Sana. Alors, je te remercie, Mouloud, pour cette belle prestation très Je vous en académique. prie. Alors, moi, je vais continuer, je vais lire sa deuxième production qui était programmée pour cette soirée. Elle est plutôt du genre prosaïque. Alors, ça n'a pas vraiment une forme poétique. Elle s'intitule Nostalgie. Lorsque j'étais Voilà. enfant, oui. Lorsque j'étais enfant et que j'allais en vacances chez mes grands-parents, je pouvais voir un peu plus loin un beau moulin au toit pointu couvert d'ardoises au reflet d'or sous le soleil ou de vieil argent après la pluie. Il arborait encore la longue perche qui permettait à force de bras ou de bêtes la rotation de toute sa toiture afin d'orienter les ailes dont on pouvait encore voir la squelette. Au fil des temps, et de mes estives et campagnardes, je constatais que ma grand-mère ne sortait plus guère de la maison, que le jardin potager de mon grand-père se réduisait en même temps que son dos se voûtait. Le moulin, de son côté, tantôt perdait une aile, tantôt voyait son toit s'affaisser. Puis je grandissais, et puis mes grands-parents semblaient se ratatiner. Quand j'ai atteint la force de l'âge, mes aïeux avaient rejoint leur ancêtre. Quant au moulin, son toit s'était effondré depuis longtemps et il restait plus de lui qu'une tour fort banale et bien encombrante. Son vieil édifice comprenait qu'il était temps pour lui de laisser de la place. Quelques-unes de ses pierres commençaient à se desceller et à tomber. La gravité vient à bout de plus fort en les entraînant inexorablement vers la terre qui est l'issue commune. C'était fini pour lui. Sa présence amicale était désormais indésirable. Il était devenu dangereux et devait être abattu, telle une vieille bête ayant fidèlement servi ses maîtres. Depuis longtemps, eux-mêmes disparus, désormais inutiles, dont on dit qu'il faut abréger les souffrances. Sana Aylani, Très France. beau texte, vraiment très beau. Oui, il est très, très beau. Sa prose est à une certaine forme de poésie, mais qui est vraiment, il faut vraiment entrer dedans. Et c'est pour ça que j'avais dit, j'avais précisé que la lecture par l'auteur du texte est très importante. Parce que, on est dans les plus grandes portées, moi, je dis avec tout l'amour et tout l'honneur. Qu'on doit à notre grande poète, je la salue. Et merci. Si tu peux faire déjà un commentaire. Parce que déjà, tu as déjà fait un commentaire sur ça. Mais si tu peux aller plus loin, sinon, on continue par la lecture de mes productions qui n'ont rien à voir avec ces Non, choses. tu vas attendre, Zohar, tu vas attendre le prochain tour. Reste là avec nous. On va passer à notre invité, c'est Hassan Moutaïch, nouveau Merci. adhérent à la page Facebookienne des anciens élèves du lycée Abou Yaqub Bedissi. C'est Moutaïch Mahbabi. Bienvenue. Merci, mon ami. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui, D'accord. on vous On vous entend. entend, c'est Ça va. assez. Bon, tout d'abord, je voudrais dire un petit mot. Oui, bien C'est sûr. que faire partie du groupe, ça a été vraiment une grande valeur ajoutée pour moi, sur plusieurs aspects. Bon, tout d'abord, sur le plan social, ça m'a permis de renouer le contact et de retrouver d'anciens amis que je n'avais pas vus depuis une quarantaine d'années. Hein. C'est pas peu. Hein. Bon, la majorité ont vieilli, le temps est passé et c'est un peu triste. Bon, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier deux personnes qui sont avec nous. Tout d'abord, je voudrais remercier mon ami Samira, qui m'a vraiment encouragé à me défaire un peu de ma timidité
et aller en avant pour avoir le courage de publier mes modestes poèmes. Je voudrais aussi remercier mon ami Zor, qui a lu mes poèmes et qui vraiment, son avis a été déterminant pour moi pour aller en avant. Franchement, la dernière fois que j'ai récité des poèmes, c'était en quatrième année secondaire. Hein. C'est... comme pour tous, monsieur Hassan. Avec monsieur de Namur, si vous vous en souvenez de monsieur de Namur. Oui. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui a étudié avec ce professeur, je ne sais pas. Oui, il était au lycée à partir de 73. Il était venu en 73. Et aussi mon professeur d'arabe qui s'appelait monsieur Ahmed Fouel. Je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, j'ai déjà. Il est de Chaouen. Bon, je voudrais réciter mon poème. Dans le texte que j'ai publié, il y avait quelques erreurs de saisie. Donc, je vais le lire, bien sûr, après correction. Ce poème est dédié à la mémoire des héros de la guerre du Rif et des victimes des gaz toxiques. L'objectif, c'est de transmettre aux nouvelles générations que nous avons un compte à régler avec les Espagnols et les Français. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est ça mon objectif. Le titre de mon poème, c'est « L'amandier empoisonné ». Donc, bismillah. Dans la fière montagne du Rif, les vieux amandiers commencent à fleurir. Les jeunes abeilles sautillent d'une fleur à l'autre, espérant pouvoir tout séduire. Du libre hameau s'observe la mer bleue et la verdoyante montagne venue se chérir, entrelacée à jamais dans une étreinte d'amour qui procure aux yeux un sublime plaisir. Bien que jalouse, la plaine leur rend hommage et leur rappelle les beaux souvenirs. Quand tous trois fêtaient le printemps sans se soucier de ce qui viendrait un jour les nuire. Le ciel a cessé de pleurer et toutes réunies l'implorent pour s'éclaircir et draper de son beau bleu manteau et la daigner descendre pour les bénir. D'en haut, le soleil leur envoie ses chaleureux saluts et les plus beaux des sourires. Il chasse les gris nuages qui, le feu aux trousses, se mettent à courir. Les oiseaux leur chantent la meilleure des mélodies pour les aider à dormir. Et les arbres en toutes couleurs, en chorus, répètent ce qu'ils disent sans frémir. Sortis de l'œil de la montagne, les eaux pures de la vie se demandent où finir. La rivière ouvre ses bras et les accueille dans son lit d'où elles vont rejaillir. La terre, orgueilleuse, prépare le grand mariage de ses filles et ses fils en âge de s'unir. Elle a fait venir l'arc-en-ciel pour les vêtir comme il se doit et comme il le désire. Et soudain, les vautours de métal volent et crachent leur venin dans le but de tout anéantir. Dans leur candeur, les enfants les suivent des yeux, ils ne savent
s'y rester ou s'enfuir. L'accord des hyènes blanches sort de son terrier flottant pour la terre envahir. Armé jusqu'aux dents, la panique au ventre, ils sont venus imposer un autre devenir. Les vaillants enfourchent leurs chevaux avec comme devise vaincre ou vers l'au-delà partir. Les femmes en larmes leur chantent les adieux, tout espoir de les voir revenir. Les princes, seuls, fatigués et sans recours, s'obligent avec l'épopée d'en finir, tout en rêvant de l'aurore d'un demain où un roi viendra les secourir. Les cavaliers et les sirènes se partagent la douleur causée par ceux venus les punir. Recueillis sur les tombes des héros qui sans paix reposeront pour l'avenir. Le matin, les oliviers sans feuilles, empoisonnés par la rosée, savent qu'ils vont périr. Au crépuscule, ils s'endorment en rédigeant leur testament aux petits-fils à faire parvenir. Dans la fière montagne du Rif, les vieux amandiers en pleurs se préparent à mourir. Et les reines des abeilles, endeuillies et condamnées, à jamais en souffrir. Merci. C'est Hassan Mataïch, vraiment, vous nous avez ébloui avec ce texte, vraiment. On a vécu avec vous une phase historique très importante pour tous. C'est Mouloud Khattabi, à vous d'intervenir sur ce texte, ce merveilleux texte. Votre micro, monsieur Mouloud. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Voilà, ça va. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Il faudrait le brancher. Ça, le micro n'est pas collé. C'est bon. Oui, c'est bon. Chère. Ça, je vais ajouter une technique. Si Hassan m'a agréablement surpris par son excellente maîtrise de la langue de Molière et aussi par le haut niveau poétique de son texte. L'emploi des images, des figures de style, comme la métonymie, la métaphore, la comparaison, la parabole. Toutes ces images-là, et les sonorités aussi, les allitérations, les répétitions de certains sons que j'ai repérés, tout ça a concouru à produire du sens. Parce que le sens d'un texte poétique ne se trouve pas à la fin du texte. Il irradie dans tous les sens du texte par le jeu de ses correspondances, de ses analogies et de ses figures de style. Quant à la thématique, c'est une thématique qui évoque un problème contemporain, toujours d'actualité, qui est l'invasion étrangère du Rif. Votre poème, Hassan, commence par une certaine harmonie entre les éléments de la nature, la terre, l'eau, le soleil, qui vivaient en symbiose, une certaine symbiose, une certaine harmonie, jusqu'à l'arrivée ou l'intrusion
dans ce réel d'une étrangeté, d'un élément étranger, d'abord mystérieux, inconnu, puis au fil de la lecture, il a commencé à prendre forme pour être reconnu à la fin comme les avions agresseurs de l'ennemi, l'armée étrangère, etc. Votre titre est hautement évocateur. Il me rappelle un titre d'un recueil de poèmes de Taher ibn Jiloun intitulé « Les amandiers sont morts de leurs blessures ». Et là, je fais la correspondance parce que c'est à peu près la même thématique. L'amandier, il fait référence, c'est un symbole qui fait référence à la terre mère, à la terre de nos racines, qui fait référence à la terre avec ses éléments naturels, y compris ses habitants. Parce que, une fois agressé par des armes chimiques, cette terre a légué, il a légué à la descendance, c'est-à-dire génération future, ce flambeau qu'ils vont continuer à porter. Et vous l'avez si bien exprimé. Bravo. Donc, il y a aussi ce côté producteur d'essence qui est la connotation. Parce que le langage, il a une double fonction. Il dénote, quand je dis cette chose s'appelle-t-elle dans la réalité, cet arbre par exemple, cette maison, là je dénote. Mais quand je dis des idées vertes dorment furieusement dans mon esprit, là je connote. الجانب أو البعد الإيحائي في اللغة هي التي تبني المعنى وتصنع المعنى والمعاني ما كاينش معنى واحد يعني ساجي دو لار لار اي بار ديفينيسيون بوليسيميك عنده بزاف ديال المعاني خاص بزاف لي سيم المعاني اي فو Vous avez très bien réussi, réussi à merveille d'ailleurs, à jouer de tous ces atouts linguistiques qui recréent le sens ou l'essence dans une production artistique telle que la vôtre. Bravo. Merci, merci. Merci, merci. Je suis vraiment... C'est vraiment riche. On vous dit merci, merci beaucoup à vous, à votre sublime texte. Et que Dieu augmente votre don créatif. Merci beaucoup. Merci. Et bien, maintenant, on va passer à une autre poétesse. Une poétesse vraiment de renommée. Va devenir une écrivaine de renommée, on espère. Une jeune rivaine, une potentialité poéticienne, c'est Madame Noël Ziani de France. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente avec nous. On aurait été vraiment honoré par sa présence, mais hélas, des circonstances ont fait qu'elle n'a pas pu être présente avec nous. Donc, on va lire ses écrits, son écrit. Et on espère que cette lecture soit vraiment fiable parce que normalement, c'est l'écrivain lui-même qui devait lire son écrit. Mais bon, à chacun ses circonstances, on comprend bien. Donc, je commence. Cher Pantfadma,
J'écarte la réalité et je pose ma tête sur l'épaule de tes songes, alors que le tic-tac-tic-tac de la pendule se mêle à la chanson. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on n'a plus eu 20 ans. Elle se glisse sous les voiles d'un navire sans destination. À travers tes yeux flétris, je me coule en elle et descends sur les rides profondes de ton visage. Je me faufile sous la chevelure de la nuit qui me jette dans les vagues qui s'évanouissent devant les images de ta présence, de celle de l'enfant que j'étais et des visages qui s'étaient interposés dans notre vie d'autrefois. Divagation mêlée de réalité. Je m'évade, je m'évade. Je caresse nos têtes penchées lourdes de nos souvenirs que je cueille comme les plantes aromatiques de nos chères montagnes du pays. Elle parfume ma mémoire à jamais. Tu m'as toujours dit, il n'y a rien à craindre, ni la vie, ni la mort. Entre les deux, le néant, on tasse les disparus. Alors on ne se contente pas de vivre dans l'ombre des autres. L'ombre est comme le néant. Oh, cher Tontfalma, je suis au supplice de contempler les ténèbres où les voix sont muselées entre les parois. Je tournoie dans une danse de Sama. Donc, Sama, c'est écrit avec S-A-M-A, chapeau dessus, donc accent circonflexe. Donc, je ne sais pas exactement la prononciation de ce mot. Je flotte et j'approche la pureté, la lumière. Je me nourris de cette lumière et je m'aperçois encore et encore dans l'obscurité. Et je pleure, je pleure. Je risque de me confondre avec des voix, ces voix muselées. Et les paroles de la chanson m'amènent vers tes bras. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans? Tante Fadma, depuis que tu t'es retirée dans le silence, et tes troubles de mémoire se sont apaisés à jamais. J'avais besoin d'un long moment pour comprendre que tu avais traversé le néant pour te reposer, pour t'échapper de ce monde cruel. Je pleurais désespérément. Ma poitrine s'enflammait de soupirs et je me suis enveloppée d'un chagrin éternel. Je sentis le poids de mes larmes métamorphosées en hémorragie de la colère de t'avoir perdue, de m'être éparpillée entre ton absence et les mensonges de mon entourage. Elle est partie vivre chez son neveu dans le village à côté. Sa vieillesse l'a affaiblie et l'Alzheimer l'a jetée dans un précipice tournant. Elle divaguait mystérieusement comme si elle adressait ses blasphèmes à Allah. Elle le maudissait de l'avoir privée de sa mère qui avait perdu l'équilibre et glissé dans le puits à cause de sa grossesse imminente. Ô tante Fadma, 20 ans plus tard, j'ai suivi tes traces à Tanger. J'ai logé dans le même quartier, le Msalla, que toi. J'ai croisé beaucoup de femmes. Elles fouillaient leur village. Elles brisaient les entraves de la société pour prendre leur vie en main. C'était dur d'échapper aux regards monstrueux, affamés de plaisir des hommes qui régnaient. Je savais déjà que le chemin vers l'indépendance était planté d'épines et la liberté ne se donnait pas. On l'arrachait de la bouche du loup. Oh, ma très chère, ouvre-moi avec la lueur de ton âme et laisse-moi disparaître sous tes 20 ans quand tu étais encore à Tanger. Je me souviens parfaitement de Madame Rachel qui soupirait chaque fois qu'elle pensait à son amour contrarié par la différence de religion enracinée depuis des siècles, assise sur son fauteuil roulant en lisant l'amour qui restait prisonnier dans les lettres. Elle disait: et on n'a plus toujours 20 ans. C'était dur de confronter le brouillard et le mystère des jours à venir dans les champs sans bois. Et il fallait quotidiennement traverser la vallée seule. J'avais mes histoires de fantômes qui habitaient les grottes creusées autrefois par les résistants de guerre contre l'Espagne et qui servaient autrefois d'abri aux villageois. Alors les fantômes étaient des enfants morts pendant la guerre, avec des figures pâles, habiles à voler, à sauter et à se transformer en gigantesques araignées. Ils revenaient en errance au coucher du soleil pour trouver un corps à s'incarner ou tout simplement pour retrouver leur jouet en proie. Alors, ils hurlaient,
comme des chiens fous, désespérés d'être égarés sur le chemin de la vie. Mais moi, j'avais peur d'interrompre leurs cris et les croiser, puisque nos voix se croisaient. Mes angoisses étaient devenues ma nature. Née dans les you-you de la joie, je n'avais pas le choix. Tu vois, ma chère, on ne restait jamais au fond, mais on n'a pas toujours 20 ans. Tu étais là, toujours certes et à jamais. Et aujourd'hui, je t'écris, donner le château, une petite ville du sud-ouest de la France où j'habite depuis 2 ans. Mais sache, ma chère, ma très chère, que le chemin vers la liberté est encore très long. Et tristement, je dois t'avouer que malgré la déchirure de mon cœur en 1000 morceaux de t'avoir perdu, je suis sûre que tu vis dans un univers plus ouvert et serein que cet univers limité et déséquilibré par le racisme, par des guerres, par des catastrophes naturelles et par des épidémies causées par l'être humain lui-même. Ne cesse pas de me visiter là, à Tanger ou encore dans les champs de notre village que je n'ai jamais quitté. Là-bas, on a tracé le début de notre parcours vers la chair et le sang. Et Rachel venait comme une sirène de lumière. Elle a pointé en douceur mon cœur en me disant, elle restera toujours là. L'amour a des ailes très puissantes et l'extase de revivre les souvenirs abolissait l'oubli. Enfin, Nawal Ziani. À vous, Monsieur Mouli, parce que ce texte-là, vraiment, il doit, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Un chef-d'œuvre. Oui. Exactement. Nawal Ziani, à travers ce texte poétique, essaie de revivre son enfance à travers une figure féminine, emblématique, qui est, qu'elle appelle Tante Fatma. C'est une figure emblématique rêvée, qui n'est pas réelle. Rêvée, qui concerne aussi, qui incarne également le temps qui passe. Parce que cette femme, elle porte les marques, les stigmates du temps, les rides. Elle porte des rides dans lesquelles, à travers lesquelles, la poétesse espère se faufiler vers son monde imaginaire. Mais ce ne sont pas des rides comme les autres. Ce sont chaque ride de cette femme est une tendresse. Et elle témoigne, ces rides-là, cette vieillesse apaisée, ce n'est pas une vieillesse douloureuse, mais c'est une vieillesse apaisée. Elle incarne ce passage, cette mutation de la jeunesse à la vieillesse de manière apaisée, paisible. Donc, ce poème-là essaie de reconstruire un sens ou des sens précis à partir de cette figure emblématique et à partir des pérégrinations de la poétesse à travers l'espace pour retrouver cette attache, les attaches où les bateaux s'amarrent. C'est essentiel pour l'être humain, retrouver les attaches. Une personne qui n'est pas d'attache
C'est comme les terres, c'est comme les gaz. Elle n'est jamais sur terre, elle n'a pas d'assise solide. Donc, Nawal Ziani, essaye de retrouver la quiétude, le bien-être intérieur à travers cette femme, à travers la quête et la recherche de cette figure emblématique qui est sa tante et qui à travers elle, recherche cet apaisement, cette quiétude qui marque les grandes personnes. Donc là aussi, ce poème en prose est traversé d'un ensemble de sonorités redondantes, récurrentes, qui reviennent. J'ai remarqué que le R, par exemple, la lettre R, revient tout le temps comme un leitmotiv. Dans, par exemple, réalité, parfumerie, mémoire, crainte, caresse, lourde, vivre, ombre, etc. C'est une forme d'allitération. C'est une allitération, c'est-à-dire un jeu de sonorité qui crée, qui contribue également à créer le sens. En plus, bien sûr, des figures dont j'ai parlé tout à l'heure, comme la métaphore, la métonymie, etc. Ce texte est d'abord un très bel acte, acte de connaissance discrète, qui, pour éviter le poids du temps, le poids du temps et des souvenirs n'en laisse jouer que la trace, c'est la trace du temps. Cette trace révit, transfigurée, à travers la transformation, via ou à travers l'imagination. Il y a aussi dans ce poème, inspiré par l'image de la tante qui porte les stigmates du temps, il y a une lutte incessante, contre l'oubli, pour qu'il ne se transforme pas en amnésie, à travers l'amour éprouvé pour la tante et cet attachement à elle en tant que référence incontournable dans sa vie. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Mouloud, et merci à notre jeune écrivain Nawal Ziani, que nous espérons inviter un jour un programme spécial pour elle parce que nous a ébloui avec ses récits. Je ne sais pas si ça entre, monsieur, dans la catégorie poétique ou dans une autre catégorie d'écriture littéraire. Mais vraiment, ce texte, je l'ai lu et je le relis et je ne le laisse pas. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Oui. Magnifique. Alors, maintenant, on passe à une autre jeune prometteuse en production littéraire, moi, notre jeune Wissam Chelah. Wissam Chelah. Oui, Zohar, tu veux dire quelque chose? Tu as des circonstances? Oui, il se peut que je puisse m'absenter comme ça. Ok, pas de problème. Et donc, on va commencer par toi, Zohar. Donc, tu commences à nous lire ta poésie, d'accord? Bon, Zohar. Alors, j'avais prévu deux textes, mais... Quand tu veux, Zohar, quand tu veux. Bienvenue, si tu as...
Si tu as deux, tu peux les lire les deux. Un seul, je vais lire. Et je vais voir après. Et c'est... D'accord. Ok, Zohar. Ah, pas de problème, pas de problème. Alors, en tout cas, je voulais préciser. Alors, là, Zohar, il a une mauvaise connexion. Je ne sais pas s'il va revenir. On va l'attendre. Je peux passer à la suite. Je ne sais pas. Attendre un petit peu. C'est bon. Zohar, il a fait la connexion. Akram, je suis derrière. Oui, c'est ça. Akram, la connexion. Que j'ai toujours. Oui, alors maintenant je vais lire mes écrits la suite. Vas-y, vas-y. Et alors, on t'écoute. Allez. J'ai attendu tout 21 jours, un pour toujours. Tout colon, le rassion est là-dessus. Parcourant les montagnes, je suis ici, de guerre. Sillonnant les sentiers des conduits sinueux, ô Père adoré, allais-je réaliser cette vision princière. Sa rigueur, je suis chaque jour, et son étiage de son jour. Cadème de on n'entend rien. Oui, parce qu'elle a, elle a une mauvaise connexion. Moi non plus. Oui. Donc, Hassan, si Hassan a quoi faire. المشكلة نسنتف أعذاق أشياء المصدر وخا سي حسن ما حداقش ليني العذاق وين في لا برودكسيون وين سابشي لح alors on va passer à une autre un autre jeune talent une jeune prometteuse bâtissière qui écrit en toutes les langues enfin langue française langue arabe et je pense autres langues. Donc, elle n'a pas aussi pu être présente en chérios avec nous, mais elle sera présente par une, par sa voix, en une petite vidéo qu'elle a préparée pour nous. C'est Hassan, alors vous savez, la vidéo nous sommes chez là, à ce moment. Moi, une âme aux ailes d'hirondelle, couverte de soie et de dentelle, Lucifer qui règne mon ciel, j'invente mon histoire. Mon espoir, ma gloire, et je t'invente à toi. Je te dessine dans ma mémoire, mon âme est ton miroir. Loin de la logique, loin de la loi, loin de la vérité, loin des droits, il n'y a que toi et moi. Même si tu n'existes pas, je sais qu'un jour, tu existeras. Vraiment, il nous fait, il nous a fait... C'est Mouloud. Voilà. Cette jeune, elle nous a fait rêver, hein. Elle nous a fait monter au nuage. Ah oui, sûrement, sûrement. Ah, c'est un très beau poème. une très bonne diction aussi. Wissam réinvente à travers ses belles paroles. Un être rêvé, un être cher, qui n'a d'existence que rêvé, c'est-à-dire qui n'a d'existence que dans le langage, encore une fois, et dans l'imaginaire de cette jeune fille. Car comme je l'ai
rappelé tout à l'heure, les mots poétiques ne reproduisent pas la réalité. Il n'y a pas de mimésis, ce qu'on appelle la mimésis, l'imitation. À travers l'imagination et la symbolique du langage, le réel est transmuté, transcendé vers une création imaginaire. Et la jeune poétesse aspire à rendre ses rêves réels, mais dans le langage, pas dans la réalité. Des mots, des images très bien choisies. Et très bien agencé aussi, il y a une sorte de coordination, une sorte de logique dans l'agencement des différentes parties de son poème, des différents syntagmes de son poème. Et il y a un agencement logique et ce parallélisme, cette concordance, cette symbiose entre les différents éléments a donné naissance à un beau poème bien rythmé qui augure d'un avenir brillant pour Wissem au niveau de la création littéraire et artistique. Voilà. Je ne veux pas m'étendre beaucoup là-dessus. Oui. Ah, oui, vous dites beaucoup de choses et ça nous fait plaisir. Souvent, j'essaie de concentrer ma pensée. Oui. Alors, maintenant, notre prochaine poétesse, c'est une bédicienne, une ancienne bédicienne, c'est Madame Nadia Ouchambar Al-Khattabi. Une vraie potentialité. Je vais lire, elle aussi, elle n'a pas pu être présente. Malheureusement, on aurait voulu que toutes les productions soient lues par ces propos écrivains, mais bon, il y a des circonstances atténuantes pour tout le monde, on le comprend. Je vais vous lire la poésie de Madame Lenta. Ma princesse, de tous les temps, ma bien-aimée retrouvée, le soleil berne, ta baie, endormie, les rayons t'ont submergé, la brise marine chapeau tes cheveux bruns, couronnée de plaines verdoyantes, l'azur est perdu, t'enlace, blotti dans les bras du prince, bleu coulant sur l'épaule, ton charme rivalisant. Les princes à ta porte. Oh, que feront-ils conquérir ton cœur, que seul le prince bleu digne à ma belle, sur ton port se précipitent les soupirants. Aucun n'est digne de ta beauté, seul le guerrier brave de tous les temps. Et Yann, c'est Mouloud, votre intervention. Je crois qu'elle parle de notre chère Al-Fesseima. Nadia Ouchambar Al-Khattabi, elle a produit un poème qui est une véritable création littéraire et artistique dans laquelle elle met en relief, elle met en exergue, elle chante la beauté d'une contrée exceptionnelle. Une contrée exceptionnelle, convoitée par les conquérants, comme elle dit, et des soupirants. Mais de personne n'est digne
de cette beauté exceptionnelle. Beauté faite de la rencontre et de l'enchevêtrement des différents éléments naturels qui font de cet espace géographique un espace singulier dans sa beauté, singulier dans son attractivité et singulier dans son amour par les humains qui y vivent. Je suppose, c'est ma propre lecture, hein, il peut y en avoir d'autres. Je suppose qu'il s'agit de notre ville, de la baie d'Al-Hoceima. C'est un hymne, ce poème est un hymne à la beauté de la ville d'Al-Hoceima. Je suppose. C'est bon, si vous toujours, on vous remercie beaucoup pour vos interventions très instructives pour nos spectateurs, nos chers spectateurs. Maintenant, si Hassan Akouh, بالنسبه لزهور, نعذر المشكلين سي كونيكسيون يغلى. Je suis avec vous. Ah, Zohar, tu es là. Ouais. Attends, je vais chercher. Je lis mon poème. Attends, je cherche. Sans aucun spectateur. Il n'y a pas de souci. Vas-y, ma chère Zohar, vas-y. Alors, je ne sais pas si je vais reprendre ou je vais lire seulement un. Je ne sais pas s'il y a le temps pour le faire, sinon je passe au deuxième parce que j'ai lu le premier, mais il n'y avait personne qui m'entendait. La connexion. Tu répètes parce qu'on n'a pas entendu. Je relis. D'accord. Alors, souveraine d'un jour, femme pour toujours. Petite colombe au cœur insouciant et audacieux. Parcourant les montagnes. Ça recommence. Oh, malheureusement, il a toujours le problème de connexion, de mauvaise connexion. Zohar. Quelqu'un d'autre peut relire son poème? Zohar, tu m'entends? Zohar? Voilà. Voilà, une mauvaise connexion, il y a vraiment une mauvaise. Désolé, vraiment désolé. Mais bon, peut-être qu'à la fin, c'est elle qui va. Elle va terminer avec. Et maintenant, on va passer à la dernière. Derniers écrits. Je pourrais faire mon commentaire quand même. Comment? Je pourrais faire mon commentaire. Ah ben oui, vous avez la, oui, vous avez la poésie avec. Ah oui, oui. 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 Bien. Oui, bien sûr. Souveraine d'un jour, femme pour toujours. Alors ça, c'est un poème en hommage à la grandeur féminine. Ce poème met en exergue l'ambivalence et l'éternel dilemme féminin, à la fois la femme, à la fois gardienne du temple familial, et aspirante vers des espaces, aspirante au voyage, vers des espaces ou des ailleurs baudelairiens, par exemple, ou comme il dit, un ailleurs où tout est calme, luxe, et volupté,
comme dirait Charles Baudelaire. En tout cas, avec une imagination débridée, libérée, loin de cette prison dorée, comme elle l'appelle, comme elle l'a nommée, la poétesse, et des sentinelles, c'est-à-dire les gardiens du temple aussi. Le voyage vers cet ailleurs rêvé se fait naturellement à travers le langage et la symbolique autonome du langage, créant son univers propre, loin des pesanteurs quotidiennes habituelles. Une échappatoire rendue possible par les jeux de mots et d'images et d'interactions au sein du poème. Ici, la signification est créée, non pas par des référentiels ou des référents réels, comme dans les autres poèmes, plutôt par la dimension connotative du discours poétique. C'est-à-dire que la dimension connotative transcende le langage habituel en créant ce qu'on appelle l'écart linguistique, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'inziah l'ouraoui. Donc, هذه القوة الإيحائية في اللغة الشعرية هي اللي خلقت المعنى في هذا البويم في هذا الليكري ديال الزهور. سي مولود Je vais vous proposer quelque chose, puisque Zohar a problème avec sa connexion. Est-ce que vous ne voudriez pas lire son texte, son poème par vous-même? Vous pouvez le lire? Ok, d'accord. Zohar, tu es là, donc? D'accord. Souveraine d'un jour, femme pour toujours. Petite colombe au cœur insouciant et audacieux, parcourant les montagnes, je suis Sissi, duchesse de Bavière. Sillonnant les sentiers défendus et sinueux, ô père adoré, allais-je réaliser cette illusion princière? Sa reine du cœur, je suis, chaque jour, et son héritière de sang pour toujours. En diadème de fleurs de jasmin et de lys acidulés, glorifiant ma naissance et ma provenance bien-aimée, devenant pour lui autrichienne, souveraine, immaculée, me relevant au rang hongrois, m'arrachant à mes racines était mon destin, rebelle, farouche et montée fertile, de ma prison dorée peuplée de sentinelles, cette volonté à m'extirper mes prunelles, fut le martyr de mon vécu le plus cruel, galopant sur mes trônes enchantés, fuyant des devoirs imposés, en reine et femelle enchaînée, des dictages mesquives sont dérobés, scandalisant la cour avec ma douleur, libérant ma haine, mon amour en douceur, le lac Léman font mon tombeau, me recueillant dans mon sang fabuleux, femme princière, mère et reine des châteaux, si je fus, ô destin, ô que nom harmonieux, de mes parfums en mille fleurs de jasmin, ma mémoire perdurera à sa fin. Peut-être que j'ai pu le lire. Bien, bien, ça a marché, c'est très bien. Merci. Pour un moment, Badavish, je me sens une princesse. Merci à toi. Nous, les femmes, on est toutes des princesses. On est toutes des princesses. Déjà, je voulais remercier Mouloud pour.
pour cette immensité d'éloges que je ne me vois pas vraiment mériter. Parce bon, que c'est vraiment, une petite lecture, il n'y en a plus du bois. Non, mais j'ai vraiment... Que tu les mérites, bien sûr que tu les mérites, ma chère. Wow, ouais. Non, mais pour être poète, il faut l'être toujours. Mais c'est aussi largement mérité, comme dit... Inspiré, il m'arrive d'écrire de petites choses. D'ailleurs, je voulais lire bien quelque chose que j'avais écrit en mémoire et hommage au martyr de la dignité, Mohsen Fikri, qu'il représente. Alors, c'était en mémoire de Mohsen Fikri qu'il représente. À l'encontre de qui veuille, l'histoire écrira la naissance d'un héros que le peuple suivra sur une terre qu'un jour fut colonie, que le lion chassa honorant son ethnie, qui ne saurait se soumettre à la tyrannie. Mon pays glorifie l'âme de Mohsin qui vivra, dans la mémoire des générations il perdurera. La gloire et l'honneur il transmettra. Ton sang n'a jamais coulé en vain. Il sera là à nous rappeler le dédain que nous subissons pour un morceau de pain. Tu seras là-haut dans le ciel avec des oiseaux éternels. Dans l'obscurité, tu brilleras. Pour toujours, tu nous guideras vers la vérité et la lumière avec nos cœurs et nos prières. À toi, Fikri. Tous les honneurs en toute fierté. Tu as repris le flambeau pour la pleine liberté de la main de tes aïeux en toute équité. Digne de tous les écarts, tu es notre étendard. Honorons tous notre Mohsin, toujours dans la mémoire, jamais dans l'oubli. C'était avec beaucoup d'émotion que j'avais écrit cela. Oui, je sais. Je me rappelle très bien de... Qui s'était écoulé dans le temps. C'était l'étincelle qui a réveillé la conscience rifaine. J'espère que notre voix sera toujours entendue. Mais avant de partir et que la connexion soit interrompue comme ça, je voulais vraiment remercier tout le monde pour tout ce beau travail qu'il a fait. Remercier ceux qui sont déjà présents, Hassan, Mouloud, Samira, et ceux qui sont derrière là pour gérer toute cette transmission magnifique. Restons toujours actifs. Et unis pour aller de l'avant et donner de nous-mêmes beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore beaucoup, surtout sur ce domaine-là que beaucoup de... Merci à vous aussi. Merci à toi, cher Zohar. Mais n'abandonne pas la scène, hein, parce que tu as une bonne connexion maintenant. Alors, profite-en et reste avec nous. N'abandonne pas. Alors, je note une interaction sur le deuxième texte de Madame Zohar aussi, qui nous a vraiment émotionnés. Oui, c'est un texte à la mémoire de ce martyr. Et à sa gloire aussi. C'est la thématique de la liberté, du droit à la parole, du droit aussi à la mémoire et du droit à la non-soumission passive. Au pouvoir, à n'importe quel pouvoir totalitaire, tyrannique. C'est un cri. C'est un cri pour honorer tous les martyrs à travers Mohsen Fikri de la région. Et je sens que ça vient des fins fonds de la poétesse. Ça, c'est sûr. J'ai mis tout mon cœur, ça, c'est sûr. Merci, monsieur Mouloud. Merci, Mouloud, pour ton mot. Je vous en prie. Et merci à tous. C'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui, monsieur Mouloud, vraiment. C'est un travail de haut niveau. C'est gentil.
الصراحة Alors, on termine par, par des écrits. Ce sont mes écrits. Je les veux toujours inspirés par le vécu du jour au jour le jour. Essayons de toucher et de signaler plusieurs thèmes de la vie quotidienne qui nous touchent, qui nous concernent de façon ou d'une autre. Voilà, c'est mon genre d'écriture. Ce sont des écritures très simples. C'est une forme de Je vais vous lire donc mes deux écrits. Pour ceux qui n'admettent jamais leur tort, ils font croire que les fautes sont des autres. Pauvres d'eux, ils vivent dans le mensonge et l'éveil refuse de leur prêter secours et faibles demeureront sans recours ni ressources pour alimenter leur âme obscure. Emprisonnés, détournés du soleil de son bio, ne voient qu'à travers l'évasure des trous. Leur vie suspendue à un fin cordon, aveugles sont interdits de bon goût. Souviens-toi, ce n'est pas toi, ce sont eux les anormaux. Défilé, justifiable la provoque, justifiable la lutte des loyaux. Voilà, monsieur Moulot. Vous avez fini? Les écritures alors, sont vraiment modestes et sales. Alors, vos poèmes, vas-y, vos poèmes tournent autour d'une thématique précise. Ils expriment de manière remarquable l'aspiration humaine à la concrétisation de valeurs universelles, telles que l'égalité, la probité et la justice surtout. Autant de concepts susceptibles de rendre les humains, s'ils s'approprient ces concepts-là et ces notions, donc susceptibles de les rendre libres et voisins du soleil, comme dirait Tahar Mejloun. Vous avez aussi usé de répétition, d'allitération, d'opposition. Par exemple, vous opposez l'invisible au présent, invisible, présente, allitération douce, douceâtre, vous avez. Et puis il y a une répétition quatre fois. Ça, c'est le deuxième poème que je n'ai pas encore lu. Voilà. moi, je les ai tous les deux. Oui. Je les ai lus tous les deux. Donc, je vais lire le deuxième pour ça que vous terminez vos interactions directes. Alors, je vous lis le deuxième. Vous commencez d'interagir. Tel le caramel tonton, douce es-tu, douce être âme. Fragile à travers les temps, papillonnante suivant ton aura, vibrant avec goût plaisant au rythme de tous les compas, dansant les rituels échappants aux ennuis et regards opales, tel le caramel tonton, douce es-tu, douce être âme, invisible, pressante, tu te réponds pour qu'on te sente tel un parfum, éternelle sensation qui enflamme, douce être âme, ton suprême flamme. Celle qui brille sans éteinte au fil des airs dominant les espaces. Celle qui cultive céleste semence et jouit de vie et de don, de marche. Tel le caramel d'antan, douce es-tu, douce être âme, élargie en brillant ton talisman et vole vers des étendues larges, vole vers ta suprême flamme et chante liberté en fanfare. Voilà. Ah, j'ai beaucoup apprécié ce poème-là. Franchement, il est très bien construit, surtout au niveau des allitérations, au niveau des oppositions, au niveau des comparaisons, des figures, etc. C'est un poème qui vraiment irradie de signification de tous les sens. En plus de cette thématique qui a une grande valeur, vous avez su
utiliser à bon escient, vous avez su utiliser à bon escient les mots. Vous avez répété, par exemple, ce vers « douce es-tu douceâtre âme » quatre fois. Et ce même « douce douceâtre », c'est une allitération qui crée du sens. Il y a aussi des oppositions invisibles présentes. La comparaison tel un parfum. Les métaphores, par exemple, sensations qui enflamment ou la céleste semence. Ça, c'est des allitérations, c'est des métaphores. Et c'est ça qui crée vraiment le sens dans un poème. Voyez-vous? Donc, je disais que c'est un poème très réussi. Et vous avez là un poème qui dénonce toutes sortes d'hypocrisie sociale, d'injustice, etc. C'est un texte, pour terminer, poétique par excellence. Eh bien, vous me flattez, monsieur. Je me vois aujourd'hui dans les nuages. Non, je vous connais. Hein. Je vais vivre ce moment. Hein. Je vais le je connais vos écrits. Rien qu'à se voir. Ah, je connais de longue date. Ouais, vraiment, moi, je c'est mon nom à chaque fois. J'ai eu le plaisir de vous lire à maintes reprises. إذن إيش ما إيش ما غامض زريم نهارا إلى غانو برنامج خاص باللغة الفرنسية نقدمكم بعض المنتوجات الأدبية الباديسية اللي تاريس فرانسيس من يكوشي حومة تشجع الجيل دي تاري حومة تفضل يهتم اللغات الأجنبية مكتبية تفضل يا الزمن دي بورا قاعد بورا ينزوا دا الزمن حومة تفضل حومة تمسرين دي الدنيا إخصاء أثنت ناف إذن ذوذ الهدف البرنامجة ربما ذيني النقال ما غا سوار مس فرانسيس منيني ولكن ضروري اللغه الاجنبيه مخصنا بقى لغه ايغان وغريت ديال المغرب زغسي نخدم خليك الاداره فما خليك زغسي قال الكليه زغسي كلشي يعني نصن بانه ديال اللغه ولا بد خصها غنغيري ولا بد خصها غن اكس نخدم ثم نحسن الاداء وجميع اللغات الاجنبيه ولا بد بنادم اكس انت اجتهد لان الزمن دانوغ ذي بورا منيما اذا اعطيكم نهار رخاء نتاكد الشق الحوار اثناء الاستاذ مولو ايش اللغه الفرنسيه السي مولود الخطابي هما تف ان السيور الحوار جيرانو اذا تعرضوا شكم هما تف تبع ما كيدنو إذن أزول سويتما معشر الباديسيين والباديسيات وجميع المشاهدين والمتتبعين لصفحتنا مرحبا بكم مرة ثانية معنا في برنامجنا هذا الذي سيكون ذو طبيعة تربوية تعليمية اخترنا بأن يكون برنامجنا حول اللغة الفرنسية حول الكتابة والتعبير والإبداع بلغة مولير لماذا هذا الاختيار؟ ما هي أهدافه؟ تعمدنا هذا الاختيار للأهداف التالية أولاً تشجيع ومنح المنبر للباديسيين والباديسيات الذين لا زالوا يعبرون كتابة بهذه اللغة ويبدعون بها. ثانياً الوقوف على واقع اللغة الفرنسية بالمغرب بين الأمس واليوم. ثالثاً التعرف على أسباب نفور الجيل الحالي من اللغة الفرنسية. رابعاً تشجيع التلاميذ على القراءة والكتابة بالفرنسية وتحبيبها لهم من أجل تحسين مستواهم في هذه المادة ونحن نفكر مستقبلا في إجراء مسابقة في اللغة الفرنسية بين بعض تلاميذ ثانويات الحسيمة إن شاء الله. خامسا التحفيز على القراءة والكتابة باللغات الأجنبية إضافة للغة العربية طبعا. قصد خلق جيل من الشباب منفتح على العالم ومتعدد اللغات باعتبار امتلاك ناصية اللغات يعتبر نوعا من التحدي لمسيرة التطورات التي تجري بسرعة حولنا بعيدا عن التوقع حول الذات عن التموقع حول الذات. سادسا مسألة تعريب التعليم
بالرغم من حسناتها إلا أن لديها بعض الانعكاسات السلبية ربما لسوء التخطيط للمنظومة التعليمية، وهي أن التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا العلمية حين يسجلون أنفسهم لمواصلة التعليم والتكوين بالجامعات أو بالمعاهد العليا أول شيء يصطدمون معه أو به هو عائق اللغة، والنتيجة السلبية الأخرى هي أن الطلبة المسجلين بشعب العلوم الإنسانية أصبحوا يجدون صعوبة في قراءة ما ينتج في هذا المجال باللغات الأجنبية، ويكتفون فقط بقراءة ما كتب بالعربية، والإنتاج في مجال العلوم الإنسانية بالعربية يعد بإنتاج قليل جدا وغير كافي. إذن سي مرود الخطابين، أرحب بك مرة ثانية في هذا المنبر الصغير وهذه النافذة المفتوحة على مشاهدينا. سؤال أول سي مرود، كيف جاء اختياركم لدراسة الأدب الفرنسي في وقت كان طلبة الريف يجدون هذه الشعبة صعبة عليهم ويختارون شعبا أخرى باللغة العربية؟ تفضل سي مورود. سي ورميزي مدخس بالعربية نيخس مازر مدخس يعني ولا جاس في سلسة رحتي مرحبا. ميكرو سي مولود. اللي عمليش الاختيارين واللغة الفرنسية يشي اختيار طبيعي. علاش؟ هو اللي راه تجيغ غير الكورسوس ينوزي الابتدائي حتى البكالوريا، راه زيد التلاميذ جان يعني بقاشي متفوقين ولكن متميزين نوعا ما كي اللغة الفرنسية. إلى غاية أساتذة قيل إعدادي فرنسيسي تشني دي رومان دي فيرسيون سامبل سامبليفيين دي رومان رقاخت الإعدادي قصص دي نوفيل قصص قصيرة. قيل الثانوي تشني الكتب إيميل زولا فلوبير إلى آخره تشجعني السنة بون عاود ديرو على شني بوشن فكرة قالو ختني لي زاني 70 روح على وشين فكرة يعني واضحة توجيه لي ديفيرونت فيليير لي جا الشعب لي جاي قالو ختني يلا نسن شي حاجة مية من تسراوة اسكيفي شرح الرباط راح سجل ديريكتومون ديال اللغه والادب الفرنسي الى درجه ترقيق محمد الخطابي السفير ميس عزيزي انه ديك سجل الناس ديال الادب الفرنسي انه ما سجل ديال الادب العربي. تفاجئ ان تاع لي بوكر يخدم كي مكتب تنسيق تعريب يتجتمع الجامعه العربيه ويجا تعجب بس انت اللغه العربيه بزاف اني ما غاسجل الادب الفرنسي في العربي احسن اللي عاصي تبع الميولين الطبيعي مالية اسباب الاختيار. اذا السؤال الثاني سي مولود، خلال السبعينات الى غايه الثمانينات كان الانتاج غفيرا باللغه الفرنسيه بالمغرب، كان هناك كتاب لامعون يكتبون باللغة الفرنسية ومنهم روائيون وشعراء أمثال إدريس الشرايبي، عبد اللطيف اللعابي، طاهر بن جلون، عبد الكريم الخطيبي، فاطمة المرنيسي، زكية داود، والقائمة طويلة. وكان هناك ازدهار للمجلات والجرائد بالفرنسية، مجلة لماليف كانت رائدة في هذا المجال، وكان الشباب يشاركون بكتابته بجريدة الأوبينيون دي جون. كيف يمكن تفسير سيمولود الضعف الذي يعرفه الإنتاج والتعبير باللغة الفرنسية؟
فعلا بالنسبة للسبعينات حتى الثمانينات il y avait une abondance, une profusion, la production littéraire, intellectuelle, sur la langue française. À l'époque, la langue française elle a le statut de la langue. Il y a une langue arabe, بلادين مكتن ديز كتاب مغاربة شعراء من الطراز العالي المجلات دي برودكسيون دو تو جونغ ملحقات ثقافية كل شيء تقريبا الفرنسية والعربية دونك لادين جنوع التوازن وضع اللغة الفرنسية مقارنة بالعربية ليبوك من بعد وقع ركول وقع التراجع اللغة الفرنسية من ناحية الرسمية الدستور المغربي وشي ستاتيو شي وضع معين للغة الفرنسية تحسبيت اون لونغ اترانجير الدستور الحالي 2011 يقعدنا اللغات الرسميين العربية الأمازيغية أوغ ذيني ما يسمى المجال اللسانيات جم فهم السوق اللغوية لو مارشي لينغويستيك علاش لو مارشي باسكو كيا دي رابور دو فورس جا اللغات اللغات اللي تسمى نخفنسن حاملة للعلم للعلوم للإنتاجات العلمية لبوبليكاسيون سيانتيفيك المنشورات العلمية إلى آخره ثني تسمى دي لونغ فيكولير فيكولير يعني كي فيكول ان سافوار سيانتيفيك اون كولتور دوني إلى آخره تقابلت المقابل دي لونغ فيرناكولير فيرناكولير يعني جيج مستوى أدنى جيج مستوى أدنى يعني وشي النشرات العلمية لبوبليكاسيون سينتريفيك إلى آخره المجلات المتخصصة وجيش اللغة إلى كذا بالنسبة للغة الفرنسية نسنا أن اللغة بين قوسين ممكن يجيني ماشي مجرد أداة التواصل اللغات كنغيج نوع من الشبكة هذا كزجيف عبر تلك الشبكة ننظر إلى العالم تكون زاك سين فيزيون دو موند رؤية حول العالم تصور كونسيبسيون كونسيبت فهمت اللغة الفرنسية تتراجع أولا زقوان بيبدا المسلسل دي تعريب التعليم تعريب جن عامل مؤثر أساس جن امباكت جن تأثير واللي يخرق مشكل بالنسبه للجامعات بالنسبه للطلبه بالنسبه للبرودكسيون سيانتيفيك بالنسبه للبوبليكاسيون بالنسبه يعني يوزاني ذكا دي جيني عرفتي في اللعبي المرنيسي الى اخره ابني لا جينيراسيون اللي لعدا وقع تراجع جينس تراجع ملبوس وقيمتي لي بوبليكاسيون يعني اون فرونسي بزاف الحجم نيوني ولكن رغم ذلك قد تصور المغاربة تصور الشباب تغيب اللغة الفرنسية اجن لغان لا كولتور اجن لغان لا بروموسيون سوسيال
la promotion, تدرج المجتمع لغة la promotion sociale. On mérite déjà un diplôme à l'université de Jamia Francia, plus de chance qu'un arabisant, avec le Gijmo, c'est ça, Ulia. Imagine la médecine, le génie civil, l'Andassa, les enseignants, les Mourtelef Chouab, l'Akhiré, les chefs d'entreprise, Soukma. La finance de grands secteurs économiques traitent sur le français. Ou alors, mais il y a deux vitesses. Des jeunes, aussi des familles, يعني غنية إلى آخره المسألة, كان يل privé كل شيء تقريبا en français, ou des jeunes كان يل جامعة الأمريكية كل شيء en anglais, مثلا. ينظن des classes ولا les couches populaires. تحاول نغاص الفرنسيه راه فين تقل مجهود غاصن جنت تصور خلو غير الفرنسيه ممكن غير تجيني جنت تصور مرتبط لا بروموسيون سوسيال مرتبط جنت وظيفه مرتبط النجاح ديال الكونكور مرتبط لاكسي مرتبط لاكسي او ميتي ديزون كي غارانتيس اون في ديسونت لكن مع ذلك une ambivalence à le مستوى الرسمي à le مستوى الرسمي une certaine ambivalence une certaine contradiction d'une part on cherche à arabiser de manière d'ailleurs la plus défectueuse qui soit et d'un autre côté on encourage la langue française dans des secteurs productif du secteur économique, dans la haute finance, dans les entreprises, où ils auront le Malia, on encourage l'unité financière. Ou mal à l'aile qu'on a ta rajou. Ta rajou à l'aile. مرتبط بمجموعة العوامل في الواقع من بينها هذا الارابيزاسيون كي ا ايتي تري مال فيت تري مال كونسو بيبي الارابيزاسيون اي كي تعز الدين العراقي على ليبوك جو كوا في فان دي زاني 70 تاع الثمانينات. Mais dans quel but? Pour écarter les jeunes issus des couches populaires des sphères du pouvoir, des sphères de décision. L'objectif essentiel était celui-là, celui-ci. Tout à fait. L'Hadaf Iridjadoua, écarter la jeunesse issue du peuple des sphères de la décision politique. Là, on prend les décisions. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une intelligentsia, issue d'un milieu et d'une couche sociale donnée qui monopolisait et qui accaparait tous les postes sensibles au sein de l'État. Donc, il n'y avait pas une démocratisation de ce genre de fonction, de ce genre de métier, de ce genre de... Ça n'était pas à la portée de tout le monde. Donc, arabisation, donc,
avec des buts pareils, ça ne peut que mener à la catastrophe. Et en fin de compte, nous nous retrouvons face à des jeunes qui ont été arabisés pendant leur cursus, disons, secondaire. Une fois qu'ils se retrouvent au sein du supérieur, ils sont incapables de suivre. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils n'arrivent pas à décoder le langage qu'utilisent les professeurs, les enseignants. Et d'autre part, quand on n'arrive pas à décoder, on finit par ne pas comprendre. Donc, on ne comprenait pas les cours, ni en médecine, ni en kulliyat al-uloum ou ailleurs. Et ça consacré ces inégalités sociales au Maroc. Ça n'a fait que consacrer ces inégalités et les affirmer de plus en plus. Voilà, entre autres, s'il y a des questions. Oui, monsieur. كيف كنت ماشي سي مروز اول شيء يخدم الموضوع قالوا باش شويه كي وري الضيوف نفسهم تفوا غصب نعطر شيء انت الشواري سي حسن ما تعيش ما راهي خصها لي سقسا المستشار ضيف الشرف سي مروز الخطابي سي ما تعيش ما راهش السؤال توجه سي مروز مرحبا سي مروز يعني سي مروز خرج الموضوع اللي مهم شي خص غير السؤال خاطر حقيقي خص تاكد عشان يخفي لنا وهو ان في الثمانينات المرحوم سي عز الدين العراقي طغت وزير التعليم ويك التعليم التعليم السيونتيفيك العلمي وستسني قعد وزير الأول وإن أذكر أمواتكم بالخير ولكن بقى السور جيج الموضوع بيبليك طبعا الشعب والطعبو وقجمع الطعس أول تسمى أول كونسيكونس للمنايا أن قبرتو غير المغربين تعرقان في فرنسا بدون مشكل avec baccalauréat marocain, automatiquement, avec l'équivalent, à n'importe quelle école, faculté de France. Avec le talib, il doit être français ou être parce que la France, dans le règlement 9, peuvent accéder aux universités françaises, les pays dont la langue officielle, c'est le français, ou les pays qui dispensent l'enseignement en langue française. Donc, il y a une Zérine, il y a le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, avec la Réga de France. Voilà qu'il y a une dame grabille là. C'est une salle de la Réga française, une salle de la Réga française, et la Réga, la Réga. Donc, tu vois, si elle s'est arrivée, elle m'a dit que c'est ça. C'est ça, après 40 ans, on doit voir la langue française. C'est ça, c'est ça, le canon de Guinée, je l'ai dit. Il va faire le Parlement. هذول الغانس فرانسيس تعاود المواد العلميه وده عاود كينج الغلط لانه ذي نيج لوبي فرانكوفوني يخسى ذي جتا فرانسيس ما نتاقي الحقيقه نهار اللغه يتجن يعني تنفع العلوم التكنولوجيا ماشي تا فرانسيس ما خاص اللغه تاقي نزجت دوك ذا كينج في النظر انه كينج الغلط من ناحية أخرى شين تعيش كيج الدولة دايس التناقضات لكم مش كيج المثال شين غنق العملة الرسمية في المغرب هو الدرهم ولكن ديني شان يجن يحس بس الدرهم شي يحس بس الريال شي يحس بس البسيطة شي يحس بس دورو ولكن الدرهم السرادها كي الاخبار كي الاذاعه نفس الشيء اللغه غنغ اللغه الرسميه اللغه العربيه
وقصد اللغة العربية الفصحى برخت السيد فهمت مازيخ قطعت قبري دمس باش تفهمش الناس، ولكن ايش اللي جاي استوى اللغة العربية الفصحى اذا داد كي الزنقات كي يرخل ما نديرليش نديرليش مشكل مشكل تعيش صراحة يا المغرب ديال الميدان. Bon, je n'ai pas de questions à poser à M. Mouloud parce que ce qu'il a dit est tellement clair, simple à comprendre. Donc, je le remercie. Et à vous la parole. Bienvenue à votre attraction, M. Mouloud. C'est le parrain de Chawar et le parrain de Zhor Kouskousi. Je vous remercie pour la question. Je vous remercie pour la question. زغور سريدي انا واقيلا زغور بدا غاس المشكل من الكونيكسيون زغور سجدي زغور سريدي شكرا لكولاتك تسري غي زغور تحياتي بون الوغ ما موديست انترفونسيون ان فرونسي ont tout dit, ils ont étalé tous les problèmes que vécu avec cette dégradation malheureusement de la langue notamment dans notre région. J'ai une petite remarque par rapport spécialement aux Amazigh du Nord et aux Amazigh du Sud. Malgré toutes ces données que vous avez, c'est-à-dire Mouloud et Hassan, que vous avez citées, on trouve bien que les Amazigh du Sud, ils ont quand même pu aller de l'avant et même à accéder au monde littéraire, c'est-à-dire en produisant tout genre de littérature. Par contre, on ne trouve pas vraiment dans notre région quelqu'un qui vraiment qui ressort de ce monde-là, surtout dans le domaine français. Bon, alors nous, on a parlé des problèmes et tout ça, mais ce qui serait plus pratique, c'est de pouvoir donner des je dirais pas des solutions, mais des alternatives, parce que cette langue française, malgré toute sa portée négative, parce qu'il y a beaucoup de haine derrière tout ça, c'est normal, c'est la langue du colon, mais on ne devrait pas voir ce côté-là et considérer plutôt ce moyen comme un atout qui comme j'ai déjà dit tout à l'heure, pour pouvoir l'utiliser comme une arme et pouvoir transmettre plusieurs messages dans tous les domaines. Alors, moi, je vous dis tout simplement, sans langage académique, il n'y a rien du tout, pour nos jeunes générations, lisez. N'arrêtez jamais de lire. Lisez même le plus mauvais des bouquins qui existent, malgré toute sa mocheté, et il va toujours nous rapporter. Si vous avez des enfants, mettez-leur devant la télé durant leur temps libre pour regarder des dessins animés en langue française. Je vous assure que ça va donner de très bons résultats. Ils vont comprendre et puis apprendre à parler, parce que c'est aussi un problème que nous avons dans notre région. Il y a peu de gens qui osent parler en français, bien que ce problème ne devrait pas se poser d'ailleurs. Alors moi, j'encourage la lecture, et pour finir, je dirais que qu'on ne voyage pas autant qu'en lisant un bouquin. Ça vous transporte dans des contrées lointaines en restant vraiment chez soi.
Et c'est ce que je peux vous dire. Je remercie tout le monde pour votre belle initiative et votre belle prestation. J'étais ravie de faire la connaissance de Hassan, de Mouloud aussi. Je suis honorée que mes amis de ma terre, de ma terre natale, soit de ce niveau, parce que vraiment, moi, je me sens aujourd'hui toute petite devant vous. La prestation, la production de Hassan était vraiment c'est-à-dire que tu as vraiment levé la barre. Et alors, je t'encourage de continuer et de participer, de publier ces belles productions sur les beaux pages personnelles. Et Mouloud, je te remercie. Et c'est aussi d'être derrière cette noble tâche de perdurer tout ce qu'on a pu léguer à travers nos études, et notamment cette langue. Ce serait dommage de la perdre comme ça. Alors, ça a été comme ça. Bon, c'était magnifique. Merci. Je vous remercie tous. Et merci, Zorna. Allez, je vous embrasse et à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie. إلى اللقاء، فرصة قادمة إن شاء الله، أشبه أول سيدة ربي. بقى لشم. إذن، on continue، غايدة لكي نجن الانتراكسيون نجنو مثلو، جمال الخطابي. إنك، heureusement, dans les matières scientifiques, on a appris le français par le biais de phrases construites à base de mots, comme si, donc, or, ainsi, c'est pourquoi. Voilà pourquoi l'usage de l'arabe dans les matières scientifique n'a pas seulement baissé le niveau de la troisième langue, qui est le français, mais il a aussi affaibli le niveau des matières scientifiques qui nécessitent une organisation structurée dont la langue apporte une contribution importante. D'autant plus si cette langue a fait ses preuves par son usage au niveau scientifique en fournissant une bibliographie conséquente. Jamal Al-Khattabi. À vous, monsieur Al-Khattabi. Oui, il a parfaitement raison, si Jamal. J'enchaîne un peu sur ce qu'a dit Zohr. Pour dire que chaque langue est une vision du monde. Là, je m'adresse aux jeunes générations dont certains considèrent que l'apprentissage d'une langue étrangère se fait au détriment de la langue mère. Et ça, c'est une erreur monumentale. Le repli identitaire, qui se manifeste aussi bien par le rejet de l'autre, le rejet de sa langue, le rejet de sa culture, s'inscrit dans ce qu'on appelle, Abdelkbir Khatibi appelle, l'identité sauvage. Les jeunes générations devraient au contraire s'ouvrir sur le monde, parce que le monde actuellement, il est global, qu'on le veuille ou non. Les jeunes générations sont appelées un jour ou l'autre, à devenir des citoyens du monde, des citoyens globaux, qui transcendent, qui dépassent le local, le national, le régional, vers le transnational et l'universel. Donc, il est absolument nécessaire de changer de vision en ce qui concerne l'apprentissage des langues.
plus on apprend de langues, plus nous avons une richesse supplémentaire. Parce que la langue, comme je l'ai signalé tout à l'heure, véhicule une culture, véhicule une conception du monde, une façon de voir, une façon d'appréhender les questions profondes auxquelles l'humanité est confrontée actuellement. Il est donc impératif d'étudier les langues étrangères. Et comme l'a dit Sir Hassan tout à l'heure, faire un choix judicieux des langues. Parce que dans ce qu'on appelle le marché linguistique actuellement, c'est l'anglais qui l'emporte, pas le français. L'anglais, parce que c'est la langue de la mondialisation, c'est la langue de la première puissance mondiale qui a un soft power incroyable, incroyablement puissant. Le soft power, c'est les universités, c'est le cinéma, c'est les centres d'apprentissage des langues, c'est tout ce rayonnement culturel qui constitue un pôle d'attraction pour le monde entier. Les États-Unis incarnent aujourd'hui ce soft power. Personne au monde, aucun pays au monde, n'est l'équivalent des États-Unis sur ce point-là. La Chine, populaire, elle peut devenir dans une dizaine, quinzaine d'années au maximum, la première puissance économique du monde. Oui, mais pas là. Pas c'est la conjoncture. Personne ne le nie. Personne ne conteste ça. La conjoncture internationale actuelle favorise la Chine au détriment des États-Unis d'Amérique. Mais la Chine n'a pas ce pouvoir culturel qu'ont les États-Unis. La Chine n'est devenue consciente de la nécessité d'étendre sa culture et de faire en sorte que sa culture rayonne au moins dans sa région, dans la région de la mer de Chine, des pays environnants, n'a fait que commencer. Elle vient à peine de prendre conscience de cette question-là, de cette problématique, et elle fait en sorte qu'elle se réalise de plus en plus. Le chinois est de plus en plus appris dans les pays environnants de la Chine. Mais ça n'est pas le cas des États-Unis encore. Donc, pour le Maroc, je reviens brièvement sur la question linguistique au Maroc. Nous avons un bilinguisme qui perdure, qui continue. Mais il est nécessaire de réfléchir sur la façon de mettre en application ce bilinguisme de manière à ce que les étudiants marocains, les élèves, les étudiants marocains et les citoyens marocains en général n'en soient pas victimes. Parce que le bilinguisme implique aussi une acculturation et une aliénation. Aliénation de sa propre identité, son propre passé, sa propre culture, ses racines culturel. Il est donc impératif, c'est quelque chose qui s'impose, de revoir, de revisiter le bilinguisme au Maroc à la lumière des théories sur la didactique d'enseignement des langues.
Ça n'est pas chose facile. Et avec le temps, on y arrivera. Si l'on veut vraiment accéder ou être un pays émergent économiquement, et aussi bien sur le plan linguistique ou culturel qu'économique, etc., il faut, les langues sont, l'apprentissage des langues est nécessaire. Bien sûr, en plus de bonnes stratégies de développement économique. Et il est aussi pour mettre en œuvre une stratégie ou un bon modèle de développement économique au Maroc, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par des réformes constitutionnelles et politiques. Il faut réorganiser le pouvoir. Et avant de passer à l'école, ou bien de mener les deux opérations en synergie, il faudrait que les responsables fassent cette reddition, se soumettent à la reddition des comptes. L'exigence de la reddition des comptes est incontournable. Donc, il y a des bases, il y a des entrées qu'on ne peut pas éviter, qu'on le veuille ou non. Un jour ou l'autre, on le fera. Donc, autant le faire maintenant. Question de langue, question de politique d'enseignement, question des curricula, c'est-à-dire le barami, le manahij, question d'une bonne formation, une formation adéquate des enseignants. Tout cela est obligatoire pour aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cette leçon très instructive, M. Mouloudou, beaucoup pour vos interactions et vos interventions. Il y a là une question de notre ami Jamal Oued. Il dit texto, est-ce que la langue arabe est aussi présente dans le programme d'enseignement et l'entourage académique français? Évidemment, la réponse est non. Alors, pourquoi la langue française est forcément dominante à grande échelle dans les pays francophones? J'ai mal saisi la question. J'ai mal entendu. Est-ce que la langue arabe est aussi présente dans le programme d'enseignement et d'entourage académique français? Évidemment, la réponse est non. Alors, pourquoi la langue française est forcément dominante à grande échelle dans les pays francophones? Donc, c'est la question de M. Jamal Oued. Oui. Oui, c'est un héritage. La langue française nous a été léguée par le colonisateur. À l'indépendance, nous avons hérité des structures coloniales, parmi lesquelles il y a la langue de l'occupant. Ça, c'est une réalité historique. La question concernant pourquoi nous continuons à étudier la langue française, bon, il faut faire un choix. La langue française devrait être étudiée à titre de langue étrangère, au même titre que l'anglais et l'espagnol, et le chinois, qui va être la langue du futur aussi. Donc, nous n'avons pas le choix. Il faut faire la part des choses entre une langue que nous considérons nationale, qui est l'arabe et l'amazigh, et une autre langue qui est étrangère et qu'il faut apprendre à ce titre, enseigner à ce titre, c'est-à-dire en tant que langue étrangère, ni plus ni moins. Et de là à confondre les deux,
de là à faire l'amalgame, ça, c'est très mauvais pour le pays. Il faut que la langue française soit reléguée à son statut de langue étrangère, ni plus ni moins, comme l'anglais, comme l'espagnol, comme le chinois. Ça, c'est ma conception personnelle de l'enseignement-apprentissage de la langue française. Elle ne doit pas dépasser ce statut-là. Je me crache l'amalgame, la confusion. Alors, c'est أنتم أنتم ما شاء الله أكيدكم وخا وكيفكم زيل نوكش دمزقرو كلمة أخيرة عيتك الله سي حسن عيش تفضل سي حسن من بعد نوكش سيبوك الكلمة الأخيرة زي غنختم برنامج شنو تفضل سي حسن عيش أوكي عشان نخدم الكلام هنا سجن المقولة علي بن أبي طالب إن إجن بوارد الصباح صباح الطاسة عجيبة إن تعلموا الألسن فمع كل لسان إنسان ولا d'accord moi ça moi je l'éprouve dans ma peau étant un peu polyglotte je parle cinq langues plus le rythme, bien sûr, plus ou moins. Donc, j'ai beaucoup de facilité à comprendre les autres cultures. Mais, au fond de moi-même, j'ai يعني خبني تفكر يتفكر بوس سمازيق في العرب يتفكر فرانسيس إذا من الناس شمورون لا كولتوراسيون لا لاليناسيون سا سي غراف مي بارلي دي لونغ اترانجير apprendre des langues étrangères c'est bénéfique c'est toujours bénéfique ça facilite beaucoup de choses comprendre les autres s'ouvrir aux autres apprendre des autres parce qu'il faut il faut pas le nier hein on a à apprendre hein et je vois que tu auras je dois donner ce mal de Yudan d'arrêter de chercher le rime ça on te chame et ya on te voit jeter au chocolat absolument يعني نسنيش غير الفضاء الأزرق وزاكي يوميا وغزرق يوميا تلب الاحتساب يعني تدرميزا البرامج الابتلاف الهدف يغانوغ مثلا نخمي نظم ذي القرية نغض بالطنافة في مجموين حوبتا أن المساقح وما تكون استخدامية إذا سي مرود كلمة أخيرة قبل ما نختم البرنامج النهار تفضل. ولا قيل نفس الاتجاه لأن السي حسن أتمس سوارج اللغة أجنبية معناها تاويد جون دو سافوار فير دي جديد تاويد أفكار دي جديد تصور دي جديد يعني أفكار يعني جديدة روانجينشي ثم أفكار كومبلكس يعني معقدة نسوار avec des interlocuteurs نظن نتمي قال الكتاب قاقاي قيلة interaction avec Gwyn Fiorin أمو قيلة السي حسن شكسير الزاقس تشغل آخر عاو تاني استفاد الزاقس إذن الانتراكسيون لينغويستيك تفاعل جان اللغات يختقج الانسان النظري دي شامي جمري بالعقل الهويه وها ممكن يجيني لو روبلي ايدنتيتير يبلعخ يخفينس قالك لا قاسين اللغه الاوروبيه قاسين اللغه الكفار قاسين اللغه نو سيكي
عيني ماشي مليح، إنسان ينفتح غار، ولكن خصها أولويات، مجال التدريس التعليم التعلم لأني أولويات، خصها نبدأ خصها نحسم، نحسم مجموعة المسائل خاص نطابع الأولويات قبل ما نعرف كيش نوني ما نريد تشكر الأخت الأخوات الإخوان رجال لكامل لإعداد النشاط ونتي مفيد جدا شر رمضان كس بزاف الحوايج سي حسن رجال اكسلون الشعري نس ولا المداخلات نس سميرة اكسلونت اوسي الاشعار مستوى عالي اكسلونت كوم توجور فوالا تبارك الله عليكم وشكرا للجميع وتحياتي لاخواتي شكرا لكم شكرا بزاف شكرا لضيوفي السي مرود الخطابي السي حسن العيش وشمتنا زبور الكوزني شتى المشاهدين اذا بغيت تبع البرنامج هذا البرامج نظن طبعا نهار غير جا برنامج خاص باللغه الفرنسيه نشجع الزاك الحكومه الفرنسيه ممكن قاعد في حضانة كيفنوك وشيناكم بزاف المصريين تصبحانين بالإطارة اللغة مخمد جاء ابن مرير مديت غير انه يخفي نس يعني يخفي نس ديب السنة يظم يخفي نسي العالم ونحن جيت نسندر قانو يعني ممكن نسي المورود يعني نلقى نتصور فرانسيس نفس شي اللغة المضطن سبانيوت بنزيف يخصو يسيسي شي بنا بعدا يعني صدوق ساسينا قدقا وسيور شي مليح أكيد وتسيور شي مثلا مليح وتسيور شي اللغة مليح لأنه شي اللغة النظ وثانيا على حسب ممارسينك في حياتينك سنلغة دي يعني في شي ممارسة أطرح اللغة يعني أطرح ضرب برشو دي لأنه وذين شي الممارسة اليومية يكفي مثلا أطغام الكتوبة موضوعكم فينا ظهور ديج النصيحة المليح يعني ضوما نقوم ونث ظهور المليح بزاف تنمى يعني تغيما اللغة النية تدخل الصف كذلك البرامج التلفزيون رقمي تغيما وحاموش قبابي التلفزيون نربنا تسوس النص يعني ودي تشينو تقبر أصل النص نبدا نبدا ذا مزغلون تصنف عاد ربنا تزد النص وأكيد يتزمن يموت السبسيد إذا ما يثبت سويت موقعكم تطاشية يثبت نقلنا نكوشي من إخصاغة ونا بسريتا تعليم اللغات الأجنبية وبالحالة يا السيور اللغة الفرنسية ربما تصل فرصة في اللغات الأجنبية الأخرى لما لا المهم نتقل أشكم وصدفان نتمنى نتسيدي باتيب وشكم السكرة شيء وتقنية مشيئة كيف هو خير الجبنة فرانسيس قد مليح يحذري النظ نسيتي بس إن شاء الله يجن المسيرة موفقة للدراسة سنوصل بأن الدراسة العليا قد تبجى اللغات الأجنبية إلى نسيتي بس إن شاء الله مسيرة موفقة كل التشجيعات لهم إن شاء الله توفيق للمسيرة سنة ما سويت ما احترض برنامج النهارة فيكم المساقة إن شاء الله يشين برامج النظر نسوي شيء عشان إن شاء الله تعرف كده حاضرين والتفاعلاتكم والملاحظاتكم كتير تنفع عند اعتبار ومهمة جدا يعني كنا نتلاجت نشلين زكسن يعني بنا من بنا من يعني من دكم السوجة يعني في مواضيع ولكن مهم قدر مخالف اللي هو مهم لأكيا تسمعنا وغير مجمع يريبا كيف نحاضر يستفعوا لتركم في الحضور تحياتي هيتبسوا إثماء إلى اللقاء فرصة أخرى